complètement. C'est bon, mais c'est bon, c'est bonne chose. Venez déguster toutes les saucisses. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est du rougail saucisse. C'est fait avec quoi? C'est des saucisses cuisinées à la réunionnaise. C'est bon? Ah, écoutez, je vais vous en donner, vous allez goûter, vous me direz vous-même. Avec plaisir. Alors, bienvenue sur le stand des délices de Madagascar. Vous avez les spécialités salées et sucrées. Le gouj-gouj en gâteau traditionnel de Madagascar, le produit phare aujourd'hui. Voilà, on est là à chaque dimanche. Chaque dimanche. Chaque dimanche du marché des saveurs du monde. Donc ce dimanche au marché aux saveurs du monde qui se déroule une fois par mois, du mois de mai au mois d'octobre, ce marché a été instauré par la ville de Vence pour redynamiser notre secteur centre historique et amener un peu plus de clientèle dans nos commerces vensois. C'est un moment agréable, un moment de joie et de bonne humeur et de bienveillance avec quantité d'exposants de différentes nationalités, de différents pays comme l'Italie, le Liban, le Madagascar, le Maroc, le Sénégal, et nous avons aussi des commerçants vensois qui apportent la touche provençale nécessaire à notre belle ville de Vence, ainsi que la Brissa Odo qui nous accompagne régulièrement. Adégas et Terroir, donc caviste à Vence depuis décembre. Avec ma femme, on a racheté cet établissement. Je suis commercial en main depuis une vingtaine d'années. Et notre principe, c'est le voyage autour du monde. Donc notre spécialité, c'est les vins du monde. Donc avec près d'une centaine de références, plus les vins de France, champagne et spiritueux. Donc au 40 avenue Marcelin Morel à Vence. Euro. Yeah. Euro. What's that? One, one, 11. Saveurs avance. Vous êtes ici avec les petits plats de Maggi. Donc les petits plats de Maggi, c'est un traiteur africain sénégalais spécialisé dans les spécialités sénégalaises basé à Vence. Et nous proposons aujourd'hui au marché, vous avez le yassa au poulet qu'on vous propose. Donc c'est du poulet tendrement mariné avec des épices et des oignons accompagné avec du riz blanc. Vous avez également des pastels au thon, excellent. Avec sa petite sauce rouge aux oignons, qui ne pique pas, hein, rassurez-vous. Juste ce qu'il faut. Vous avez aussi les fataya au bœuf, les acras de niébé qu'on ne trouve que chez nous, je précise. Vous avez en dessert, du coup, des beignets sucrés coco. Et vous avez également des boissons sucrées, donc notamment le bissap, le jus de bissap, qui est connu au Sénégal avec plein de vertus, et le cocktail de gingembre. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon dimanche. Merci, Maggie. Thank you.